Like, I find it funny how women really think that they're special and niggas just want to hang out with them. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars et que vous avez bien perdu la fin, n'hésite pas à t'abonner, tu connais, mets un petit j'aime, abonne-toi si jamais c'est pas encore fait, de toute façon tu peux mettre le j'aime, tu vas aimer la vidéo, de toute façon si tu l'aimes pas, tu retires, il n'y a pas de risque. Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de la chaîne c'est pour te permettre d'être déter, passer à l'action, créer ta vie sur mesure, ok, et pour ça les gars il va falloir faire un petit peu d'oser, sinon ça va être compliqué, donc il y a mon étude de cas que je te propose, elle est gratuite, elle est offerte, je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas de semaine, voilà, avant de créer à l'arnaque, regarde quand même, hein. C'est quand même mieux avant d'accuser les gens, et si jamais tu trouves que c'est une arnaque, ben après tu peux revenir là dans les commentaires mettre arnaque. Ok, donc c'est gratuit les gars, c'est offert, tu es libre de pouvoir y accéder, je te montre exactement comment j'ai fait la stratégie pas à pas. Ok, donc fais-toi plaisir. Et les gars, arrêtez avec vos excuses, j'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BEP trop technique, j'ai grandi dans le quartier des Pyramides à Évry, voilà, j'ai découvert le business super tard, maintenant ça fait plus de 3 ans que je voyage. Ça s'est pas fait tout seul, il fallait passer à l'action, il fallait avoir un peu de testostérone, je sais que ça se fait rare en ce moment, mais tout est possible, voilà. Voilà. Même si ça tombe dans le truc bateau, oui tout est possible, bah oui tout est possible. En tout cas, il y a de grandes chances que si jamais tu vises, déjà il faut que tu aies un objectif, si tu as un objectif et que tu persévères dans la direction de cet objectif, il y a de grandes chances que tu t'y rapproches, même si tu ne l'atteins pas, imaginons. Bref, et passons directement au sujet de la vidéo. Est-ce que l'amitié entre hommes et femmes existe réellement? Donc je vais te passer une petite vidéo dans un instant tirée du podcast de Fresh and Fit où tu vas voir exactement une meuf qui va appeler un gars qu'elle connaît, genre c'est son meilleur ami, genre qu'elle connaît depuis des années, tu vois, depuis des années, voilà, depuis genre high school, je sais pas c'est l'équivalent de quoi en français, en France, c'est je crois c'est peut-être lycée peut-être. Ok, donc elle a un gars, ça fait des années, son meilleur ami, etc. Ok, et donc comme ça tu auras la réponse et tu sauras déjà ce que j'en pense. Et en sachant que c'est pas la première fois qu'ils font ça. Ok, donc je laisse regarder la vidéo et on en parle. All right, so this is how it's gonna go. All right, you're gonna call your guy, you're gonna say, hey, why didn't we ever? Yeah, exactly. Yeah, I know. Well, we want to preface it first. Yeah. Hey Daniel, what are you doing? Oh, I'm chilling. Real quick. I was talking to my girlfriend, and I had this question for you. Why do we never get serious? Like, you're mad cool. Now, blah, blah, blah. Okay. And then you're going to say, hey, why didn't we ever be anything more serious? I'm scared. Yeah, well, it's because she's trying to fuck you, okay. And you know it. Hi. Okay, I kind of have a serious question. What's up? Okay, so I was talking to one of my girlfriends. So Jessica, and I was just kind of wondering, like, why haven't me and you been anything more? Oh no. Are you confused? Like, I'm just wondering, like, we've been best friends for so long, like, why haven't we been anything more? No, I'm not confused. I'm like oh no, maybe like we never really like ever talked about being more than that. Would you want to? Would you ever want to? Like, oh, see, that's the thing. Like, it's like I feel like even if we did try, like shit wouldn't be the same after. Okay. That's something I couldn't live with. Say you're interested. So you're interested. So you're interested. Or no, I'm just saying like. No, you're interested, homegirl. So wait, what if I was interested in being more? Then I would talk to you about it. I'd be like, what led you to come to that decision that you think you like me? And I would just walk through it. To understand where you're coming from. Okay, well, you know. Okay. Sorry, it's just like, I was just talking to just one of my girlfriends, and I just like, you know, maybe was thinking about it. If, you know, maybe we could be more in the future. Like, that's interesting. And it's interesting that you brought that shit up too, bruh. Because my homeboy Ryan. Wait, we
Huh? Oh, let him talk. Okay, just keep going. Sorry. Nah, you good? But my homeboy Ryan just got into this relationship, and it was with this girl that, like, me and him have known since we were, like, 15, 16. Like, we've been hanging out with her, like, them two were, like, best friends and shit. And, like, the vibes that I got around them, I was kind of like, all right, it's going to happen. It's Wait. Just a matter of time before that shit happens. Wait, hold on. Just text me. She's walking in. We can just text about it. Okay. I'll text you. Okay, bye. He was too out of his He was way too heavy for this. Yeah, he had to that shit on the first or second. He want your ass tonight. He want your ass. Yeah. Listen, he said it's just a matter of time. On the sweet voice too. You said text me. He didn't want to like be too obvious about it. And that's the thing. Like, they're always gonna be off because, like, you've had him in the friend zone for decades or whatever. Yeah. So, like, they're always gonna be worried. But, like, I find it funny how women really think that they're special and niggas just want to hang out with them to hang out with them. Like, that combo. Wait, you didn't want to say it. No, I'm gonna start crying. That was like my best friend since like high school. We told you ass. I don't stop. He's so wait, be... you seriously think he wanted to hang out with you because of you? No, we've just been through so much together. Yeah. Wait, trust stop. Me, he wanted me to do some more. Yeah. Would you? Yeah. Wait, he's gonna be so mad at me. Why? Yeah. Because like this was on fresh and I ain't gonna lie, I don't know what's funnier, the fact that he wants to smash her and she finally realized, or the fact that she really thought that he liked her for her. Donc du coup, moi, ce que je trouve fort, c'est que la meuf, tu vois, si tu sens qu'elle a pas forcément d'empathie pour le gars, en fait, tu vois, c'est genre elle est plus là en mode mais je croyais qu'on était des amis, toutes les choses qu'on a vécues ensemble. Toutes les choses qu'on a vécues ensemble et tout, en fait, c'était pas vrai. Tu voulais juste mettre un coup, en fait. Mais c'est quand même incroyable, quand même. Donc, c'était pas pour ma personnalité qu'on était allé au parc Astérix. C'était pas pour ma personnalité qu'on est allé au parc Astérix. C'est genre, elle est dégoûtée. Elle est dégoûtée pour ça. Elle se dit pas, quand même, le gars, ça me fait de la peine, quand même. Ça fait 10 ans qu'il est là en mode. Il essaie de voir à quel moment il peut mettre un coup. Tu vois? Donc du coup, le truc de la friendzone là, où les gars qui restent amis, c'est juste une stratégie comme une autre. Alors moi, pour moi, ça me paraît pas une stratégie efficace, parce que tous les gars qui sont dans la friendzone, ils sont au courant. Alors j'ai connu un qui a réussi, je sais pas comment il a fait, il a même réussi à se marier après avec la meuf, mais ça arrive jamais, c'est 0,01%, ça arrive jamais. Donc c'est une stratégie comme une autre, les gars ils utilisent pour pouvoir à tout moment... mettre un coup. Bon, surtout qu'en plus la meuf elle est mignonne, mais à quel moment elle a cru que genre le gars il était là comme ça. C'est vraiment ne pas connaître ou ne pas vouloir connaître la nature d'un homme, quoi. Où est-ce qu'on vit? C'est vraiment, elle vit dans un monde, dans le pays des bisounours, pour ceux qui ont la référence, parce que là... Donc ouais, un gars il peut attendre 10 ans, être là sur le côté, elle se dit depuis high school. j'avoue, par contre moi je suis impressionné, je pensais pas que les gars pouvaient attendre ça, mais j'ai eu tellement d'exemples, les gars peuvent attendre des années, quoi. Normal, il reste là. Ah ouais, non, il est vraiment pas gentil avec toi. Oh là là, il sait pas te traiter bien. Tu veux un peu d'alcool? Tiens, bois un peu. Ah ouais, c'est dur. On peut, non? Ah, on peut pas. D'accord. Là c'est ouf quand même, tu vois. Mais on sent, tu vois, que son seul problème, c'est de se dire « mince, alors c'était pas pour moi ». Tu vois, elle est même pas... Limite, le truc, ça va se retourner contre lui. Ça peut se retourner contre lui. Genre en mode, elle va être vénère. « Tu m'as menti, tu vois, machin ». Elle se rend même pas compte, le gars, il est tellement dans la frustration de vouloir la gérer. Elle se rend même pas compte de tout ça, tu vois. Elle est là, continue le podcast comme si de... Voilà. Bon, un petit peu, elle a fait genre, oh là là, mais quand même, ça se fait pas. Tu vois, mais vite fait, tu vois. On sent plus qu'elle s'inquiète par rapport à elle, tu vois. Et après, j'avoue, Myron qui remet un coup. Tain, mais les meufs, elles croient trop qu'elles sont spéciales, genre machin. Juste, le gars, il traîne pour sa personnalité. Bon, évidemment qu'un gars, il a aucun intérêt dans une relation amie. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, non, un gars, il a aucun intérêt dans une amitié homme-femme. Enfin, si jamais, il n'y a pas d'intimité impliquée dans la relation, ok. Non, un homme, il n'a aucun intérêt. Tout ce qu'il peut trouver dans une amitié chez une femme, il peut le trouver chez un homme, dans une amitié avec un homme, et avec beaucoup plus d'avantages.
Je veux dire, si jamais tu sors avec, genre, si c'est ta meuf, enfin, c'est même pas ta meuf, c'est une copine, tu sors dehors, tout ça, il y a une embrouille, bah, elle est plus un passif qu'un actif, hein, tu vois, là, elle va juste crier dans tous les sens, etc., tu vas devoir la protéger, plus toi, Thomas, non, ça n'a pas intérêt. Après, je prends des trucs là, où si jamais il y a des embrouilles qui arrivent dans la rue, mais ça arrive, les gars, c'est pas, hein, ça arrive à tout le monde, hein. En plus, tes problèmes, elle ne peut pas les gérer. Parce que les problèmes que nous, on rencontre dans notre vie, ce ne sont pas les mêmes problèmes que les femmes rencontrent dans leur vie. Donc, elles ne sont pas designées en mode problème-solution. Ça, c'est nous, on est logique, c'est comme ça, on est des hommes. Donc, c'est mieux si tu as un problème de parler à un homme. Tu vois, si tu parles à un homme, machin, il va dire, ouais, ok, bah, j'ai fait ça, nanana. Alors, si jamais tu veux chialer un coup, oui, c'est bien. Elle va dire, oh, c'est gentil, tout ça, etc. Machin, machin. Oh là là, tu vois, parce que c'est skill social. Oh là là, elle va te dire, oui, tu vas y arriver, t'inquiète pas, machin, machin. Mais bon, voilà, il n'y a pas de solution. Mais bon, bref, d'une manière générale, enfin, l'homme est attiré par la femme. Si jamais, en plus, elle est mignonne, elle est fraîche, enfin, le gars, à un moment donné, enfin, c'est sûr. Même s'il y a des gars qui vont dire, non, moi, j'ai une copine, pas du tout, etc., etc. Alors, c'est ou t'es pas attiré par elle, ou de toute façon, si jamais, à un moment donné, elle te dit, bah, vas-y, viens, on met un coup ensemble, vite fait, machin, tu vas dire oui. Donc, dans tous les cas, pour moi, c'est pas une amitié, ça. Donc après, évidemment que les femmes, elles aiment être amies avec les hommes. C'est pour ça qu'elles sont à fond, genre, elles veulent défendre. Non, si, c'est possible, oui. Bah oui, parce que ça a leur avantage, en fait. Parce qu'elles peuvent avoir l'attention, tu vois. T'imagines, elles ont l'attention d'un homme sans avoir à lui donner quoi que ce soit en échange. Enfin, sans rentrer en intimité avec lui. Bah, c'est magique. Les femmes se nourrissent de l'attention. Donc, elle est trop contente. C'est cadeau pour elle. Pour pouvoir renverser la situation, on pourrait dire par exemple que la friend zone d'une femme, ce serait d'être toujours la side chick d'un gars, tu vois. Ça veut dire qu'elle est avec un gars, mais elle n'est jamais titulaire. Elle devient jamais la femme, elle reste juste avec un gars à côté comme ça. Voilà, ils ont juste du sexe, mais pas plus que ça. Voilà, ben c'est l'équivalent, c'est leur friend zone. Nous, on a notre friend zone, elles ont leur friend zone. Donc voilà ce que j'en pense par rapport à ça. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Mets un petit j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi et savoir comment devenir libre, pouvoir voyager comme moi je le fais depuis, ça fait 4 ans maintenant. Tu es libre d'accéder à ma formation Pirate Marketing où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois. Et dedans, j'ai rajouté des bonus complémentaires sur comment investir en immobilier, comment investir dans la startup, comment investir dans la crypto-monnaie, un bonus complémentaire sur l'e-commerce, sur le personal branding. Tout ça, c'est des experts extérieurs. C'est pas moi, je connais pas tout, hein. Donc, plusieurs experts sont venus pour pouvoir faire ces modules spécialement pour toi. Ensuite, tu auras aussi accès à l'incubateur. Dans l'incubateur, ça te permet d'avoir accès à du coaching. En fonction de la formule que tu prendras, tu auras différentes heures disponibles de coaching. Donc, tu verras. Et tout ça, tu peux y accéder via ton CPF. Profites-en parce que je ne sais pas combien de temps je continuerai avec le CPF. Et tu peux aussi y accéder sans CPF via ta carte bleue, okay, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me demandent à chaque fois. Donc, si jamais tu veux en savoir plus, okay, sans engagement, tu cliques sur le lien dans la description, tu mets ton numéro de téléphone, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Et après, tu pourras poser toutes tes questions par rapport à ça et voir si jamais ça peut te correspondre ou pas. Okay, dans tous les cas, les gars, il va falloir faire quelque chose. Si tu fais rien, il va rien se passer. Il va falloir faire quelque chose. Si le pirate marketing, ça ne te convient pas, ok. Va chez des concurrents ou des collègues, j'en sais rien, mais fais quelque chose. Parce que si tu fais rien, frère, il va vraiment rien se passer. Le temps, ça passe. Les secondes, elles passent, tu les récupères plus jamais. De l'argent, ça part, ça revient. Tu as déjà dû entendre des histoires où des gens étaient multimillionnaires, et puis après, ils sont devenus fauchés, et puis ils sont redevenus multimillionnaires. Ok, l'argent, ça part, ça revient. Okay, l'essentiel, c'est d'apprendre et d'augmenter sa connaissance, devenir une meilleure version de soi-même pour avoir la capacité, du coup, la connaissance surtout, pour pouvoir, si jamais tu perds de l'argent, être capable de le récupérer ou d'en faire encore, etc. Mais le temps, je peux te le dire, tu le récupères jamais. Et ça passe vite. Ça passe vite, tu comprends pas. Donc bref, pour revenir à ça, et si jamais tu es intéressé du coup par Pirate Marketing, donc voilà, tu seras au téléphone, boum boum, ça t'intéresse, tu dis oui, ça m'intéresse. On fera le dossier avec toi si jamais tu veux passer par le CPF, profites-en parce que je sais pas combien de temps je vais laisser le CPF. Si jamais tu veux passer par carte bleue, bah, c'est beaucoup plus simple. Et après, on aura les accès à Pirate Marketing, et après, on va charbonner, les gars, il n'y a pas de secret, ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais à un moment donné, les gars, il va falloir commencer. Hein. Tu peux pas rester là comme ça à regarder des vidéos toute ta vie. Hein. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Je vais ton camp.